Well, in the Abatoa neighborhood, in the capital city of Cameroon, Yaoundé, yes, we'll be meeting one of our great people that makes My Calling the program that everybody's envying and, of course, always wanting to watch. This day, we'll be meeting a man. He is married. He is a father of 9 children. And I was like, what? He said, yeah, you're going to have 12, like the 12 disciples of Jesus. That's just on our side. He is the founder of Adecole Action pour le Développement Communautaire Décentralisé. He's also a bachelor holder in Economic Sciences and, of course, the great vision bearer of Christian Community of Hope. Today in My Calling, we'll be welcoming our great pastor, Reverend Pastor Onana Grégoire Janvier. Welcome back. If you're just joining us, you're watching My Calling. Today we are very blessed with the presence of one of our men of God in the house that will be sharing with us. He's calling to the ministry, and of course, he's sitting right beside me. I understood we'll be meeting Pastor Grégoire Onana Janvier. Good evening, Pastor. Bonsoir, merci. I'm so happy to meet you today. Moi également, merci. And we're happy as well that you welcomed My Calling team into your church. Okay, but so we are, you're like, you in the profile we're reading, I'm going to go into it first before we go to our main this thing. You talked about you being the founder of this association, Adecode. What is Adecode? Okay, merci pour la question que vous me posez. Vous permettez que je réponde en français, s'il vous plaît? Yes. Comme vous êtes bilingue. Yes, that's it. Alors, la question que vous me posez concerne Adecode, l'association que nous avons créée au sein de la communauté. Parce que nous avons constaté que l'Église n'était pas suffisamment impliquée dans le champ social. C'est comme s'il y avait une sorte de contraste entre l'Église et le social qui n'est pas forcément le monde. Mm-hmm. Alors, le Seigneur nous recommande d'accomplir des bonnes œuvres qui feront de nous la lumière du monde. Alors, nous avons créé cette association-là dans le but d'assister et d'accompagner l'État en soutenant les défavorisés, les pauvres, les orphelins et d'être présent dans le champ social par la construction des écoles, des hôpitaux, tout ce qui pourrait bien être de quelque utilité que ce soit aux populations qui sont défavorisées. Et ça fait déjà combien de temps que ça existe? Ça existe depuis pratiquement 5 ans. Et vous avez pu quand même résoudre certains problèmes que vous avez décidés. Notamment soutenir les personnes abandonnées. D'accord. Les personnes du troisième âge, les enfants en difficulté scolaire, auxquels nous avons payé les frais de scolarité. Également, venir en aide en cas de nécessité. Par exemple, une femme qui est abandonnée à elle-même, qui a accouché. Bon, c'est ce que nous avons fait jusqu'ici par la grâce de Dieu. Wow. Wow. So as you can see, Christians as well can get involved in social activities. Don't think it's just for the government to do that. You can play your part. Now, we're going to enter into the reason why we're here. On va entrer directement pour la raison pour laquelle nous sommes là justement. Et on aimerait d'abord savoir, vous êtes pasteur, ça veut dire que vous avez reçu cet appel pastoral. Comment est-ce que vous avez reçu cet appel? Merci pour cette question. Je voudrais vous rappeler que j'ai cru au Seigneur en 1991, précisément en juin. Wow. 1991. Bon, lorsque je viens au Seigneur, je viens parce que j'avais des problèmes. Bon, j'avais des problèmes liés au fait que je n'avais pas d'emploi. Bon, je voulais en trouver un et je m'étais rendu compte que le Seigneur pouvait bien m'aider dans ce cadre-là. Donc, d'entrée de jeu, quand je viens à l'église, ce n'était pas pour servir le Seigneur. Ce n'était pas pour servir le Seigneur. Je pourrais aller plus loin en disant que j'avais en tête ce que je voulais faire. Je voulais entrer à l'ENAM. Wow! Et ça, c'est ce que je voulais faire. Et lorsque je viens, 4 ans plus tard, je me rends compte que le Seigneur m'appelle plutôt à le servir. Bon, cela va se démontrer par le fait que les camarades avec lesquels j'étais venu à l'église, qui étaient également des universitaires à l'époque comme moi,
Bon, ils sont venus, beaucoup ont trouvé des emplois et moi, pas du tout. Alors, le seul succès que j'avais à l'église à ce moment-là, c'était que je pouvais exhorter quelqu'un qui se donnait au Seigneur. Je pouvais prier pour quelqu'un et la personne me reçoit la guérison. Et c'est donc là que j'ai compris que le Seigneur m'appelait à le servir. Et la chose va véritablement se matérialiser parce que tout appel authentique est une rencontre avec Jésus-Christ. Le Seigneur va permettre que je le rencontre pour m'assigner une mission précise, celle de prédicateur de l'Évangile. De l'Évangile. Donc c'est comme ça que je viens au Seigneur. Et vous avez accepté tout d'un coup quand vous avez aperçu que c'était vraiment ça votre appel? Lorsque vous arrivez à Jésus et que vous vous rendez compte de ce qu'il a fait pour vous, c'est-à-dire comment il vous a sorti de la boue du péché, de comment est-ce que désormais vous avez devant lui le salut, devant vous le salut qu'il vous offre gratuitement, vous êtes tout aussi bien prêt à vous plier à sa volonté, avec joie, avec amour. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et votre pasteur de l'époque, il vous a accepté, il a accepté justement de vous libérer comme ça, ou bien ça s'est passé comment? En réalité, lorsque je reçois cet appel, j'explique à mes leaders. Et la chose ne s'est pas arrêtée au niveau des explications. La chose a été concrétisée par des signes palpables, par des témoignages, à tel enseigne que très vite, avant d'être attaché au ministère, il a commencé à me former. Parce qu'il faut encore le dire, en réalité, pour arriver au ministère, il y a des formations que l'appelé par lesquelles il doit passer. Okay. La formation par le Saint-Esprit, la formation par soi-même, la formation par un serviteur de Dieu qui est un père. Mm-hmm. Donc il est comme vos mentors? Bien sûr, il okay. est mon formateur. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez changé? Jusqu'à aujourd'hui, nous avons gardé de très bons contacts, il est mon père. Okay. Et quand vous avez fini cette formation, vous êtes lancé dans le ministère, votre propre ministère, si je comprends bien? Pas forcément. Je voudrais vous dire que lorsque je suis avec mon père, il commence à me confier certaines responsabilités, notamment au niveau de l'église et même au niveau des cellules. J'ai commencé à... Cellules de maison? Cellules de maison. OK. J'ai commencé à travailler dans les cellules de maison. Je vais vous dire que je l'ai fait pendant 12 ans. Wow, 12 ans? Oui, 12 ans. Wow. 12 ans. Servant dans les cellules de maison, me frottant un peu aux réalités du serviteur de Dieu et sous le regard, bien entendu, des aînés sur lesquels j'ai pu être formé. Mm-hmm. Bon, il est donc arrivé à un moment donné où le Seigneur va provoquer des circonstances. Bon, je suis à la maison, il y a une sœur qui vient me voir et me dit j'ai besoin que nous allions, je vais préciser le lieu, sans faire la publicité d'une entreprise, derrière Sonel, Santa Barbara. Nous avons là-bas, il m'a dit, une famille que nous devons suivre, parce que si nous n'allons pas, nous risquerions bien d'être redevables de leur sang. Dans cette famille-là, elle avait besoin de Jésus. Et nous sommes donc allés, pour exhorter cette famille parce qu'elle était sous de graves problèmes successoraux. Les gens étaient sur le point de se tuer avec la machette. Alors, nous sommes allés là-bas. Pour dire vrai, je n'avais pas en tête de créer une église. Non, pas du tout. Je n'y allais pas parce que je voulais... Juste le zèle là, vous priez pour une famille. Voilà. Il y a des gens qui ouvrent la porte comme ça pour dire, venez vraiment nous exhorter. Ça fait la joie. Et puis, quand on arrive, nous commençons la cellule à 3 personnes. Bon, vous vous imaginez que c'est cette cellule qui est devenue ce que vous voyez. Wow! That is wonderful! Wow! C'est ce que Dieu peut faire, justement. C'est ce qu'il est capable de faire. Et papa a accepté de vous libérer?
Et vous êtes parti dans la paix. Je suis parti dans la paix, je peux le dire comme ça. Il a compris que l'enfant a grandi. Je peux le dire comme ça. Parlez-nous un peu du ministère chrétien, comité chrétien de l'espérance. La communauté chrétienne de l'espérance, elle a un peu plus de 10 ans. Okay. Elle a un peu plus de 10 ans lorsque nous commençons à Santa Barbara à peu près. Mm-hmm. Bon, lorsque nous commençons, c'est une cellule de maison. C'était 3 personnes. Mm-hmm. Bon, et comme le Seigneur m'a appelé à une relation d'aide, mm-hmm. bon, dans laquelle quelquefois il peut se manifester, et puis, bon, ça fait donc en sorte que très vite, les gens, les hommes nous ont rejoints, quelques mm-hmm. personnes. Et nous avons commencé à enseigner la parole, à prier pour les uns, à prier pour les autres. Et très vite, la nouvelle s'est répandue et puis le Seigneur a fait grâce. Beaucoup de personnes ont commencé à s'associer à nous. Mm-hmm. Bon, voilà. Et c'est donc comme ça que, comme le Seigneur conduisait les choses à sa façon, mm-hmm. de manière assez surprenante même, nous nous retrouvions là, c'était une case familiale que cette famille nous a offert gracieusement, gratuitement cet endroit pour dire, parce que nous constatons que les gens sont en train de venir à gauche et à droite, nous vous offrons cet espace. Vous pouvez faire là, de cet espace, une église. Wow. Voilà. Wow. Et c'est comme ça que nous commençons. Alors, et nous mettons donc sur pied par la grâce du Seigneur, comme il fallait bien avoir un nom. Nous sommes des hommes et nous devons être soumis aux autorités qui nous demandent d'avoir un nom. Et c'est là que nous commençons la communauté chrétienne de l'espérance. Pourquoi? Parce que l'idée que le Seigneur met dans notre tête, c'est de pouvoir bâtir une église famille. Okay. Une église dont les membres sont soudés. Qui ne se contentent pas simplement de se retrouver à l'église. À l'église les dimanches, surtout. Pas simplement. Ouais. Une église là où on peut se sentir utile les uns aux autres. Et c'est donc pour ça que nous l'appelons communauté chrétienne, parce que cette famille-là, elle sera réglementée par les principes de la parole de Dieu, de l'espérance, parce que nous sommes ensemble en vue de l'espérance qui est à venir. Parce que notre objectif ultime à la fin, c'est de pouvoir gagner l'éternité. C'est ça. That is to make heaven. Very important. Yeah. Donc, Quand je vous entends parler, c'est tellement beau. C'est comme s'il n'y a pas eu des soucis, les problèmes, les petites difficultés sur votre chemin. Non, loin de là, si nous en parlons même comme s'il n'y avait pas eu de difficultés, peut-être nous en parlons simplement par la foi. Par la foi, ça veut dire qu'il y a vraiment eu. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de difficultés. Et vous pouvez partager quelques difficultés avec nous que vous avez traversées. Beaucoup de difficultés. L'œuvre de Dieu, elle a des difficultés qu'on peut dire communes. Parce qu'elle est appelée à former des hommes que le Seigneur appelle des disciples. On ne peut pas dire que tout le monde appréhende la chose de la même façon. Oui. Bon, ça veut dire que on doit pouvoir faire face à l'ingratitude qui est une bonne épreuve. On doit pouvoir faire face à la trahison, qui est également une bonne épreuve pour le serviteur de Dieu. On doit pouvoir faire face au fait d'être au service des hommes de manière gratuite, de manière à ne pas chercher son intérêt, de manière à viser l'intérêt de ce qu'on a devant soi. Donc en réalité, cela n'est pas une tâche aussi aisée que ça. En réalité, il faut pouvoir compter sur la grâce de Dieu pour tenir le coup. Et quand vous avez commencé ce ministère, et on voit vraiment que le ministère a grandi, même comme ce n'est pas encore atteint, je suis sûre que vous avez des grands projets, vous aimeriez que l'église grandisse et que ça... Il y a d'autres petites églises partout, n'est-ce pas? Quand vous êtes ici au sein de l'église, quelle est la relation que vous entretenez avec vos chrétiens? C'est une relation de père à fils. Okay. C'est une relation d'amitié. C'est-à-dire que je n'ai pas de problème qu'un de mes fils arrive à venir voir là où je dors. Je n'ai pas de problème si nous pouvons arriver jusqu'à 23 heures de la nuit
en train de causer, en train de partager sur tel ou tel. D'ailleurs, ils sont mes fils à telle enseigne que je veille pour voir sur tous les plans. Comment est-ce qu'ils marchent avec le Seigneur? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Comment est-ce qu'ils pensent à être des hommes? Je le vérifie pratiquement sur tous les points. Et ça, je le fais pratiquement avec tous. Bon, sauf que maintenant, la relation, je ne peux pas dire qu'elle reste la même avec tous. Parce qu'il y a ceux-là qui sont très proches de moi, qui sont mes fils, sur lesquels je compte pour la suite. Là-bas, c'est différent. C'est-à-dire que on se retrouve là aisément dans le groupe de trois qui étaient avec Jésus. Vous voyez, vous comprenez un peu. Oui. Pierre, Jean et Jacques. Ceux-là, véritablement, c'est des confidents. C'est des amis. Il n'y a pas vraiment de barrière, n'est-ce pas? Il n'y en a pas du tout. Donc, ouais, je me charge véritablement de veiller sur eux. C'est mes amis. Est-ce que vous voyez aussi les situations là où, dans les églises, il y a certains chrétiens qui veulent être à côté du pasteur, c'est nous. Est-ce que vous faites aussi face à ce genre de difficultés et comment est-ce que vous gérez ça? Pas du tout, à vrai dire. En réalité, je suis, selon que le Seigneur m'a fait cette grâce, aussi simple, aussi accessible, qu'en réalité, il serait absurde de chercher et ou alors de conquérir ce qui est accessible. Oui, parce qu'il y a certaines personnes qui disent non, 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 le pasteur, si tu veux voir un pasteur, tu dois passer par moi. Beaucoup dans beaucoup des églises, on voit ça. Non, ici, il n'y a pas de protocole pour ça. Okay. Ici, il n'y a pas de secrétariat. Alors, s'il y a un secrétariat, je crois que je suis le secrétaire. Ok. Wow, that's very interesting. Really very interesting. Et quand vous... vu que ça fait déjà 10 ans que le ministère a commencé, est-ce qu'il y a encore certaines personnes qui ont commencé avec vous, qui sont là jusqu'à aujourd'hui? Vous parliez tout à l'heure de difficultés. Oui, oui, okay. Vous parliez tout à l'heure de difficultés. Certaines personnes qui ont commencé avec moi, certaines ne sont plus avec moi. Certaines ne sont plus avec moi. Bon, pour des raisons indépendantes de leur volonté. Beaucoup ne sont plus. Okay. Mais il y a quand même, on voit qu'il y a des les chrétiens que vous pouvez quand même dire, voici les gens loyaux et tout. Bien évidemment, il y a là, même si je ne suis pas en place, des mes fils qui peuvent faire comme moi, voire plus que moi. Et je prie d'ailleurs qu'ils fassent plus que moi. On va prendre deux témoignages de deux personnes qui ont vraiment bénéficié de cette grâce que le Seigneur a instaurée dans vos vies, votre vie, et on va revenir. C'est en 2012 que je viens dans ce ministère. Et avant de l'intégrer, je ne ressemblais à rien, pour dire vrai. Ma vie n'avait pas de sens. Ce qui m'amène concrètement, c'est la maladie. J'avais une fille, précisément mon cinquième enfant, donc ma fille, qui était gravement malade à l'âge de 4 mois. Et je me souviens qu'en ce moment-là, les activités, vous savez, lorsque Dieu veut t'appeler, il utilise les stratégies. Ce que je sais, c'est que les activités, en ce temps-là, n'allaient pas. Et l'enfant est tombé malade, la mère également. Je ne savais sur quel sein me vouer. Alors, c'est comme ça que je quitte un jour. J'étais égaré, puisque je n'espérais rien, je n'avais rien d'abord pour pouvoir amener l'enfant à l'école. Alors, un jour, le Seigneur m'a orienté. J'ai rencontré un homme et je lui ai parlé de mon problème, ne sachant pas que c'était également un fils du pasteur Janvier. Et ce gars m'a invité le même jour à assister à une séance de prière dans une cellule de prière, où je n'ai pas tardé.
je suis allé, j'ai vu mon épouse, je lui ai parlé de cela. Sans hésiter, elle a accepté qu'on puisse se rendre. Alors nous nous sommes rendus. Comme j'étais, je ne vais pas le mentir, j'étais catholique. Je suis né catholique et je suis passé par entre les mains des exorcistes et consorts avant d'intégrer le corps de Christ. Ça fait que lorsqu'on arrivait, je me disais que bon, on allait me donner le sel, on allait me parler peut-être que non. Lorsque nous sommes arrivés, on m'a posé des questions, j'ai répondu et ils m'ont prodigué les conseils et ils m'ont donné précisément d'aller lire le livre de Jean à partir du premier verset. Ma femme et moi, nous sommes rentrés. Lorsque nous sommes rentrés, on n'était pas en nous-mêmes puisque l'esprit du monde était encore en nous. Nous avons passé le temps chez les marabouts. Donc je savais en réalité qu'une fois là-bas, on devait me dire quelque chose ou apporter de l'argent ou alors viens avec que non. Lorsque nous sommes rentrés, on était stupéfaits. On ne comprenait rien. La semaine qui suivait, on m'a donc amené auprès du pasteur que j'ai rencontré. Je vous rassure que c'est un homme, je ne peux pas dire ordinaire, il est extraordinaire. Lorsque nous nous sommes vus, il nous a prodigué les conseils, ma femme et moi. Et il nous a enseigné, il nous a parlé. Que la semaine qui suivait, je vous assure que je ne sais pas comment la guérison est arrivée. Pour ne pas tirer de long en large, ce que je vais vous dire, c'est que j'ai trouvé le bon endroit. Et toi qui m'entends, toi qui me regardes, ce que je vais te dire, c'est que donne ta vie à Jésus-Christ. Parce que ce n'est qu'en Jésus-Christ qu'on peut avoir la vie. Welcome back. If you just joined us, you're watching My Calling. We are with one of our great men of God in the Abattoir neighborhood in Yaoundé, our pastor Onana Grégoire Janvier, the pastor of the Christian Community of Hope Church Ministries, of course. So we have been sharing a lot with him, how the ministry started, the challenges he has faced, and of course faced in the church within his own Christians, and he was telling us a lot. And we thank God because despite all the odds, he has kept the faith, and of course the hope that is driving him, it's Christ. And he is sharing with us, of course, how God has been using him powerfully in the ministry. So pastor, on vient de regarder les chrétiens qui viennent de témoigner de l'impact de ce ministère dans la vie. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Nous ne pouvons que demander la grâce à Dieu. Je voulais dire plus de grâce pour que le Seigneur nous aide à continuer ce qu'il nous a donné de faire. Parce que nous nous considérons comme serviteurs inutiles. Et nous voulons, du mieux que nous pouvons, par la grâce de Dieu, élever l'étendard, élever le drapeau de Jésus-Christ pour que les âmes soient... Amen. Amen. Et j'aimerais poser cette question qui vient juste d'installer dans mon esprit. Quand vous regardez votre ministère et tous les gens que vous avez élevés, croyez-vous que si le Seigneur vous appelle aujourd'hui, « Mon fils, tu as fait ce que je voulais, viens te reposer, ce ministère va continuer. » Il va continuer. Je n'ai aucun doute par rapport à cela. Okay. Il a au moins 4 à 3 personnes qui peuvent faire plus que ce que je fais aujourd'hui. Wow. Il va continuer. Nous travaillons pas simplement pour le présent. Nous travaillons pour l'avenir parce que la continuité et la pérennisation de ce que le Seigneur nous donne de faire nous semble être plus importante. Oui. C'est pas quelque chose de passager, c'est quelque chose que le Seigneur nous appelle à faire durer dans le temps et dont nous travaillons également, ayant les yeux dans l'eau. Amen. Et on voit que vous êtes ici à Abattoir, à Yaoundé, un quartier qui est caractérisé par beaucoup de musulmans et tout. Comment vous vous en sortez?
Je pouvais vous faire une confidence? Oui, devant tout le monde entier, bien sûr. La salle dans laquelle nous tenons nos cultes est une salle qui appartient à un musulman. Waouh! Comment ça? Je comprends pas, en fait. Waouh! Lorsque le Seigneur approuve les voix d'un homme, il dispose tout le monde. Je ne vais pas parler même des ennemis comme s'il en était un. Non, pas du tout. C'est que le Seigneur, il sait pouvoir sortir de l'eau même lorsque nous avons le rocher devant. C'est comme ça. Donc, bon, c'est vrai. On ne peut pas dire que nous restons, nous sommes sans influence de l'environnement dans lequel nous sommes établis. Vous dites si bien, lorsque vous parlez des musulmans, bon, quand ils n'ont pas encore cru, bon, ils peuvent produire des actes qui ne sont pas bons. Et cela peut nous influencer d'une manière comme d'une autre. Mais en définitive, le Seigneur Jésus veille pour nous préserver et pour nous garder dans sa sécurité et sa paix. Wow, amen. Ok, quand vous regardez votre parcours, est-ce qu'il y a des regrets? Bien évidemment. On a comme impression que ce qu'on fait aujourd'hui, on aurait pu le faire il y a 3 ans, il y a 5 ans, et que on est en train de courir derrière le temps. Et ça, c'est le regret lorsque je l'exprime comme tel, c'est pour parler comme un homme. Bon, je le prends par la foi et je me dis, toutes choses concourent au bien de ce qui aime Dieu. Parce qu'à un certain moment donné, je vais vous le dire comme ça, on aura beau être serviteur de Dieu, qu'on doit pouvoir rester humble pour comprendre qu'on apprend du Seigneur tous les jours. On apprend et à un certain moment donné, on ne peut ne pas avoir su apprendre de lui. C'est-à-dire qu'il y a des occasions qu'on a manquées, il y a des choses dans lesquelles il nous a conduits, qu'on aurait dû faire à ce moment, mais on n'a pas eu la sensibilité spirituelle pour comprendre vers quoi il nous conduisait. Et quand on l'a compris assez tard, on peut le regretter. Surtout en ce qui concerne le ministère. Quelles sont vos aspirations pour ce ministère? Communauté chrétienne de l'espérance. En parlant, imaginez que vous avez laissé un message fort pour les gens qui vont continuer ce ministère. Nous avons beaucoup d'aspirations, bien-aimés. La première, c'est de voir le corps de Christ uni. Nous ne voulons pas prétendre être les seuls du corps. Non. Lorsque la Bible nous apprend que Christ n'est pas divisé, ça veut dire que lorsque nous sommes membres, nous faisons partie d'un ensemble. Et d'ailleurs, nous venons d'intégrer un mouvement de serviteurs de Dieu qui travaille dans ce sens. C'est notre première aspiration parce que divisés au Cameroun, nous serons davantage faibles. Nous avons aussi l'aspiration de voir l'Église être tenue, être bâtie par des vrais serviteurs de Dieu, ceux qui sont véritablement appelés. C'est-à-dire que l'Église soit forte déjà à partir de ce qui la dirige. Nous voulons voir l'Église, au sein de l'Église, vraiment les véritables disciples être bâtis. Jésus n'a pas laissé d'autre mission quand il a dit « Allez faire de toutes les nations des disciples ». Nous aspirons véritablement à ça. Et ça nous vaut quelques critiques quelquefois parce que lorsqu'on s'attelle à cela, on est un peu exigeant. Parce que le disciple de Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Il doit pouvoir vivre à la ressemblance de son maître, dont il doit pouvoir répercuter la vie et la manière d'être, l'attitude dans l'environnement dans lequel il vit. Cela n'est pas de... Donc nous visons à voir l'Église être constituée de véritables disciples. Donc, et pourquoi pas, lorsque tout ceci est mis ensemble, nous voulons voir le Cameroun sauvé.
Wow. So you get it from the horse's mouth himself. I don't know how many people will watch this message today or maybe after, but you have to know that the main goal is to bring the church together. We are one. The body of Christ is one. We can do great things only when we come together. Divided, we will fall. Homme de Dieu, vous voulez encore une opportunité de parler à ces jeunes qui aspirent à entrer dans ce ministère, devenir des porteurs de ministère. Vous avez vécu, vous connaissez ce qu'il y a, les difficultés que vous avez traversées. Quels sont les mots d'encouragement que vous pouvez leur donner? Servir Dieu est une grâce. Servir Dieu est une responsabilité que j'estime pouvoir être la plus grande. Je n'en ai pas connu qui soit au-delà de celle-là. Servir Dieu n'est pas une affaire de bonne volonté, n'est pas une affaire de force. Généralement, lorsque quelqu'un déclare vouloir servir Dieu et veut le faire à tout prix, à tous les prix, on comprend aisément que la personne n'est pas appelée de Dieu. En réalité, lorsqu'on est appelé de Dieu, les signes le démontrent. La Bible dit que tout le monde de Dan à Beersheba savait que Samuel avait été établi prophète. Parce que les œuvres de Samuel parlaient et rendaient témoignage de lui. Donc, aux jeunes aujourd'hui, je voudrais leur donner le conseil de s'attacher à Dieu, de s'attacher à leurs dirigeants, à leurs leaders, de s'attacher à eux, de les écouter, de les suivre, exactement comme Élisée suivait Élie, de s'attacher véritablement à eux, de les aimer, avant de voir donc ce que le Seigneur leur réserve dans sa maison comme tâche. Mais dès le départ, c'est déjà bien de se donner au Seigneur lorsqu'on est jeune et de s'attacher véritablement à lui. Amen. Leur destinée, leur vie en dépendent. Ok, pasteur, on aimerait que vous donniez encore un mot de salutation à tous les fidèles. Je voulais saluer toute la communauté. Je voulais saluer tout le monde. Que la grâce de Dieu, que la bénédiction de l'Éternel soit déversée sur chacun et sur tous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, de nous avoir accordé ce moment vraiment. Je ne sais pas, j'ai ressenti quelque chose de vraiment grand en moi. Juste par ce petit moment, dans ce petit minute qu'on a passé ensemble. Et je sais que beaucoup de gens ont été vraiment bénis, encouragés ce soir. Beautiful viewers of my calling, that was it with our pastor, Onana Grégoire Janvier. I thank you for watching and please don't miss out on the next episode of My Calling. We were really honored having you. Remember, he said, make sure that you walk with God if you want to be a great minister. And of course, learn to prepare. Every minister must be prepared before he enters the ministry. He took 12 years to prepare himself, and God opened a door where there seemed to be no door. God is always going to open a door if you believe. Beautiful viewers, we've come to the end of today's program. I'll use the opportunity to greet all the Christians of Christian Community of Hope. God bless you all. I pray that this message left by your pastor, that his desire is to see the body of Christ come together as one who penetrate in your heart and do great things in our nation. So, I was your humble host, Vanessa Nyingmeng, and with my special invitee, Mr. Pastor Grégoire Onana Janvier. You know those names? Bye-bye.